Mes chers collègues, nous allons pouvoir commencer nos travaux. Bonjour à toutes et tous. Notre ordre du jour appelle l'examen du rapport pour avis de la Commission sur les articles 4 et 7 du projet de loi de la révision constitutionnelle. Ce champ est volontairement restreint aux points qui concernent directement l'activité et le fonctionnement de la Commission des affaires sociales. Il est naturellement possible pour chacun d'entre nous d'intervenir sur les autres articles du texte en déposant ses amendements auprès de la commission des lois ou pour la séance. Ce champ restreint en pratique aux lois de financement de la sécurité sociale justifie naturellement que nous confions le rapport à Olivier Véran, notre rapporteur général. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. La Commission des affaires sociales s'est saisie pour avis du projet de loi constitutionnelle en tant qu'il modifie l'examen des textes de loi relevant de son champ de compétences. Nous sommes saisis pour avis sur deux articles, l'article 4 et l'article 7, qui portent en eux des évolutions importantes. Tout d'abord, l'article 4 modifie l'article 42 de la Constitution et vise à simplifier l'examen des textes par le Parlement en renforçant le rôle et la place de la Commission. Selon l'exposé des motifs, il rend, je cite, « possible l'examen en commission d'un certain nombre de textes qui, en tout ou partie, seraient mis seuls en discussion en séance, le droit d'amendement sur les articles relevant de cette procédure s'exerçant alors uniquement en commission ». Cette évolution permettrait d'éviter la répétition de l'examen des mêmes amendements à tous les stades de la discussion, ce qui empêche parfois la concentration des débats sur des sujets majeurs portés par les projets et propositions de loi. Dans un ordre du jour très encombré, alors que le calendrier est très resserré, les discussions ont tendance à se concentrer sur les premiers articles des textes, au détriment parfois des derniers. On l'a vu, même si ça ne concerne pas directement le PLFSS, on l'a vu sur le PLFSS l'année dernière, où entre 1h et 4h30 du matin, on a dû examiner quasiment autant d'amendements que ce qu'on avait examiné sur les deux jours entiers réunis précédents. Donc c'est une évolution qui est importante, qui, moi, je pense qu'il faut saluer, qui va nous permettre vraiment de nous focaliser dans les débats en séance sur les articles qui sont le plus, en tout cas qui vous semble ou qui nous semble collectivement le plus porteur de sens et d'intérêt. L'article 7, lui, de ce projet de loi constitutionnelle, procède à deux modifications. D'abord, il étend en apparence, on le verra, la durée d'examen des textes financiers à l'examen national de l'ordre de 5 jours. Il prévoit également la possibilité d'examiner conjointement, en tout ou partie, les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. L'article 7 soulève des questions de principe sur lesquelles j'aimerais revenir. Sur la première modification, l'octroi de 5 jours supplémentaires d'examen du texte ne doit pas masquer qu'en fait l'objectif du gouvernement vise à réduire globalement les durées d'examen des textes loi de finances et loi de financement de la Sécu, de façon à libérer jusqu'à 3 semaines au Parlement à l'automne pour pouvoir examiner des textes de loi ordinaires, car actuellement le Parlement est totalement mobilisé sur les textes budgétaires. S'agissant du PLF, c'est quelque chose qui s'étend sur une durée de plusieurs semaines, notamment avec les commissions élargies. L'exposé des motifs de cet article mentionne clairement cette évolution n'emporte a priori pas de conséquences importantes pour notre commission. Il en va plutôt autrement de l'examen du PLF, mais ça ne relève pas du champ de notre commission. En pratique, il est prévu que le texte du PLFSS soit déposé en Conseil des ministres, vous le savez, avant jusqu'au deuxième mercredi du mois, le 15 octobre, pardon, chaque année. Cette deadline, entre guillemets, n'est pas modifiée. Il est possible que le texte du budget de l'État soit déposé en même temps, conjointement, que le texte du budget de la Sécu pour donner une cohérence d'ensemble à la politique gouvernementale en matière de loi de finances et de financement. Sur la seconde modification, la portée de l'examen conjoint m'a paru initialement incertaine. C'est une disposition qui vise à autoriser la discussion en séance de mesures telles que le CICE, qui a concerné l'année dernière tant le PLF que le PLFSS. Vous vous souvenez, dans le PLF, on a supprimé la disposition CICE pendant une semaine donnée. Il a fallu attendre la semaine d'après pour qu'en PLFSS, on restaure l'équivalent du CICE dans le budget de la Sécurité sociale, laissant une espèce de gap technique. Ça n'a pas fait couler beaucoup d'encre, mais ce n'est pas extrêmement propre en termes de logistique parlementaire, logistique législative même de façon générale. Les textes organiques qui devront
mettre en musique ces propositions ne sont pas prêts. Et donc, j'ai eu à cœur, au cours de votre rapporteur, j'ai eu à cœur au cours des auditions que d'essayer de comprendre quelles étaient les intentions gouvernementales en matière de lecture conjointe des deux textes. S'il s'agit de favoriser une discussion commune portant sur des articles portant sur des thématiques abordées à la fois par le PLF et par le PLFSS, il n'est pas paru initialement indispensable de modifier la Constitution, puisque les deux assemblées peuvent déjà décider de l'organisation de débats communs. À ce propos, et si la présidente en est d'accord, nous avons une discussion avec les commissaires aux finances, le rapporteur général du budget notamment, pour essayer d'envisager dès l'année prochaine, et sans attendre l'application d'un texte constitutionnel ou d'une loi organique qui suivrait, pour essayer de donner plus de cohérence à l'action des parlementaires en matière de lecture parlementaire des deux textes. À savoir, est-ce qu'on pourrait aller demain vers une forme de discussion générale commune sur les titres recettes ? Discussion générale commune, hein, ça s'arrêterait là. Et est-ce que sur les articles qui sont très proches des deux textes, budget de l'État, budget de la Sécu, est-ce qu'on pourrait envisager d'avoir une lecture, je dirais non pas commune, parce que la Constitution, justement, aujourd'hui, ne nous le permet pas, mais d'avoir une lecture beaucoup plus rapprochée, c'est-à-dire s'envoyer un peu la balle, avoir une espèce de dialogue singulier avec les commissaires aux finances sur les articles des titres recettes qui nous concernent tous deux. C'est quelque chose qu'on peut faire d'ores et déjà sans avoir besoin de changer la Constitution. Ce que la Constitution, en revanche, prévoit dans sa modification, c'est qu'éventuellement demain, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait un texte de loi organique qui n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour et qui nous serait présenté comme parlementaires. On pourrait, ce que ce texte pourrait prévoir de plus, c'est que, imaginons qu'il y ait un article, je prends l'exemple du CICE, nous pourrions avoir l'examen de cet article à la suite, commission des finances et commission des affaires sociales, alors même que l'examen du budget de l'État ne serait pas totalement terminé. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Je ne suis pas clair là-dessus. Bienvenue dans l'univers merveilleux de la réforme constitutionnelle dans lequel je patauge depuis deux semaines. Non, je vais être plus précis que ça. Je vous donne un exemple. Je reprends l'exemple du CICE. On l'a supprimé dans le PLF. Et il a fallu donc attendre une semaine pour restaurer un mécanisme dans le PLFSS. La volonté du gouvernement, c'est de se dire un article comme celui-ci, ça ferait plus sens si on pouvait, dans la foulée de sa suppression dans le PLF, faire une espèce de parenthèse PLFSS dans l'hémicycle pour dire on restaure sous cette forme-là. Et ensuite, chacun reprend son travail. D'accord ? C'est plus clair ? Et pour ça, il faut probablement une modification constitutionnelle. C'est-à-dire que le Conseil d'État a dit on ne peut pas être sûr qu'il ne faille pas sécuriser la Constitution. Et c'est pour cela que, après ces auditions, après des discussions techniques, il me semble qu'il n'est pas, complètement inutile d'aller modifier la Constitution comme le prévoit le texte gouvernemental. Est-ce que là, c'est plus clair ? OK. Mais en aucun cas, si vous voulez, ce qui était vraiment important, c'était qu'il n'y ait pas derrière, je le dis très clairement, c'est qu'il y ait derrière, il n'y ait pas un loup. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de volonté ou une possibilité conférée au gouvernement d'aller fusionner budget de l'État et de la Sécu. Ce n'est absolument pas la volonté gouvernementale, ce n'est absolument pas la direction qui est prise. Tout comme vous, très attaché à ce qu'il y ait un budget de la Sécurité sociale bien identifié à côté du budget de l'État. Ce sont deux financements différents, ce sont deux historiques différents et on n'est pas en train d'aller vers une fusion des deux budgets. Voilà, je le dis très clairement. L'étanchéité persistera. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux articles 4 et 7 du projet de révision constitutionnelle qui nous concerne au premier chef. Il y a deux amendements que je vais vous proposer à l'examen dans quelques minutes. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, je vais passer la parole aux députés pour 2 minutes. Nous reprenons nos bonnes habitudes. En commençant par Laurent Pietraszewski pour République En Marche. Oui, ça sera bref, chers collègues. Bon, durant la campagne, Emmanuel Macron avait pris devant les Français l'engagement de rénover en profondeur notre vie politique pour améliorer le fonctionnement de nos institutions et faire en sorte que les Français retrouvent confiance en elles. Notre majorité en est l'illustration. Ce projet de loi emporte la vision. Les articles que notre commission vient effectivement d'examiner, d'entendre dans le cadre de cette procédure parlementaire que mène Olivier Véran, eh bien,
je crois qu'il faut saluer ici le rapport et le travail de cette saisine pour avis, la clarté des messages portés par Olivier Véran et aussi sa volonté de nous rassurer quant aux intentions du gouvernement en la matière sur ces deux articles. Ces mesures me paraissent équilibrées et cohérentes. C'est donc pour améliorer le fonctionnement de notre Assemblée qu'elles sont prises et le groupe La République En Marche les soutiendra. D'accord. Monsieur Jean-Pierre Door pour Les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Oui, d'abord l'article 4 pose une question. C'est que vous rappelez que l'article 42 dans la loi organique donc de 2008 avait déjà prévu qu'en séance, la discussion ne porterait que sur le texte adopté en commission. Sauf exception, les deux lois de finances, la loi de finances générale et la loi de finances de sécurité sociale. Donc vous allez éviter la répétition de l'examen entre la commission et la séance pour certains amendements qui ne pourront plus être déposés. Donc pour nous, il semble qu'il y a quand même un certain déni de démocratie, et vous avez aussi des collègues qui ne font pas partie de la commission des affaires sociales, qui ne pourraient pas déposer des amendements en séance après si on ne retient que le texte de la commission. Donc il y a quand même là une opposition de notre groupe pour revenir sur l'article 42 de la loi de 2008, je vous le dis. Le deuxième point, c'est l'article 7, et là je suis tout à fait favorable au raccourcissement des délais. On a parfaitement bien vu, et vous l'avez rappelé, que l'hémicycle est clairsemé en fin de semaine lors du PLFSS, probablement aussi dans la loi de finances. Donc ça se justifie, et passons pas des nuits inutiles quand on reste à deux ou trois en séance. Par contre, vous avez écrit dans votre texte que la fusion des textes financiers n'est pas votre choix pour les recettes entre le PLF et le PLFSS. Je vous informe que nous déposons un amendement en commission des lois pour, au contraire, fusionner le projet recette des finances du budget général et du budget des sécurités sociales. Cet amendement, il est simple. Les dépenses de l'État et les dépenses de sécurité sociale, il n'y a qu'un contribuable. C'est toujours le citoyen, c'est toujours le Français. Donc nous proposerons de fusionner les dispositions relatives aux recettes de la loi de finances et de la loi de sécurité sociale. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, Madame Patricia Galerno pour le MoDem. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur pour avis et mes chers collègues. Lors de son discours devant le Parlement réuni en congrès le 3 juillet dernier, le président de la République avait posé les jalons d'une révision constitutionnelle à travers plusieurs principes forts: efficacité, représentativité, responsabilité. Par ailleurs, il avait appelé de ses voeux des institutions fortes et du temps pour penser la loi, pour la concevoir, la discuter et la voter. Nous y sommes. En effet, les articles 4 et 7 traitent particulièrement de la question du temps et des moyens de la fabrique de la loi. L'article 4 complète l'article 42 qui définit la procédure parlementaire en inscrivant dans la Constitution, à travers une loi organique, la procédure en vigueur au Sénat, qui permet d'examiner tout ou partie d'un texte par la Commission avec une simple discussion en séance publique et un droit d'amendement ne s'exerçant qu'en Commission. En effet, cette procédure peut être demandée pour les textes techniques en cas d'accord unanime de la conférence des présidents et du gouvernement. Notre Chambre dispose, elle, de la mesure d'examen simplifié qui s'en rapproche. Nous serons donc attentifs à la mise en œuvre qui sera proposée dans la loi organique. Quant à l'article 7, il fait passer les délais relatifs à la procédure d'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale de 20 à 25 jours. Il s'agit toutefois d'appréhender cet article dans un ensemble avec l'article 6 qui réduit les délais d'examen des projets de loi de finances. Compte tenu de l'importance du PLFSS, il semble utile et raisonnable d'allonger son délai d'examen et de rationaliser un examen conjoint possible entre les deux principaux textes financiers. Cette disposition est cohérente avec le travail produit par la Commission des finances sur la nouvelle procédure budgétaire, notamment à travers le printemps de l'évaluation. Notre groupe MoDem s'inscrit dans une démarche constructive et soutient la philosophie générale de ces deux articles. Ils constituent, me semble-t-il, une avancée.
Le MoDem veillera à ce que les parlementaires soient aussi associés à cette réforme. Je vous remercie. Merci Madame. Adrien Catenès pour France Insoumise. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, vous connaissez les critiques qu'à la France Insoumise nous formulons sur le fonctionnement de cette Ve République et de cette Constitution. Pour nous, elle fonctionne plus que jamais comme une monarchie présidentielle et cette monarchie présidentielle est exacerbée par l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron. L'organisation quasi anarchique de nos travaux depuis un an en fait la démonstration. Il y a eu récemment une polémique sur le prétendu burn-out des députés ou le fait qu'on se plaindrait de trop travailler. En réalité, tout le monde est d'accord là-dessus. On ne se plaint pas de trop travailler. On se plaint d'avoir une mauvaise organisation de nos travaux. Et ça participe également de la manière avec laquelle l'exécutif traite cette Assemblée. On le comprend maintenant depuis un an. Pour la majorité, en tout cas pour le gouvernement, l'Assemblée est un caillou dans la chaussure, une perte de temps, quelque chose dont on se pose la question finalement de son intérêt. Je me souviens au début de la législature d'avoir entendu un député de la majorité se lever et dire « mais finalement on a élu un président et un programme, de quoi on discute à 2h du matin, quel intérêt appliquons le programme ?» C'est-à-dire que même l'organisation de la vie démocratique de notre pays est mise en cause. Cette réforme constitutionnelle, comme la plupart de vos réformes, a un titre bienveillant, a priori, améliorer les choses. C'est toujours comme ça que vous présentez la situation. Mais en réalité, elle va encore aggraver et rabougrir la vie démocratique de notre Assemblée, dévitaliser son fonctionnement, notamment sur la question de la restriction du droit d'amendement. Et de ce point de vue, je comprends bien la logique de vouloir aller toujours plus vite. Mais la question est posée de plus d'efficacité. Au Parlement européen, par exemple, on a vu, notamment sur le vote de la pêche électrique, un vote en commission qui a ensuite été défait par un vote en plénière, parce qu'entre deux, normalement, il y a la discussion. Pas un campement sur chacun ses positions, mais bien une discussion. Et donc, on voit l'intérêt, parfois, effectivement, d'une deuxième lecture et de ne pas forcément toujours accélérer les choses. Donc, nous serons particulièrement vigilants là-dessus. Pour le reste, si nous partageons l'ambition d'une refonte démocratique, nous pensons que ce n'est pas à l'exécutif ni aux députés de concevoir les nouvelles règles qui vont les concerner, eux, mais que c'est bien au peuple lui-même de le faire, dans la mesure où la rupture est consommée. Aujourd'hui, l'abstention criante d'élection en élection nous adresse une leçon. Les Françaises et les Français ne consentent plus à cette règle du jeu. Donc c'est à eux de la redéfinir, et une des manières de le faire, c'est l'Assemblée constituante. Merci. Pierre Dharréville pour le groupe GDR. Bien, pour ce qui nous concerne, nous sommes vent debout contre cette réforme constitutionnelle dans son ensemble. Je vais venir sur les articles concernés, mais je pense qu'ils participent de la logique d'ensemble qui vise à affaiblir, à abaisser le Parlement et à nous embarquer plus encore dans cette logique présidentialiste qui est en train d'asphyxier la vitalité démocratique de notre pays. Or, les dispositions qui sont contenues dans ce projet vont à l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour rénover nos cadres démocratiques, nos institutions qui en ont fondamentalement besoin et pour mettre en leur cœur la souveraineté populaire, son exercice et donc un exercice beaucoup plus collectif de la démocratie et de la prise de décision. Or, on a parfois le sentiment, à écouter un certain nombre de discours, que la délibération est un obstacle, qu'il faudrait en réduire l'espace. Et nous pensons que c'est elle qui peut conduire justement à prendre les meilleures décisions, et les décisions, oui, au bout du compte, les plus efficaces. Et cela prend du temps. Donc l'article 4 restreint le droit d'amendement. Il restreint la souveraineté du Parlement, et la souveraineté, la liberté, le droit de chaque parlementaire. Et ça, je considère que c'est extrêmement grave. La présidence de la République écrase suffisamment de sa légitimité, la légitimité du Parlement et des parlementaires, pour qu'on n'en rajoute pas. Je ne vois pas, en plus nous n'avons pas le détail de la loi organique qui mettra en musique tout cela, donc on se prononce quand même un peu à l'aveugle sur ce projet constitutionnel. Je crois que c'est un problème. Ensuite, concernant l'article 7... Bon, il y a d'abord une volonté de réduire là aussi les délais.
Moi, nous sommes attachés à une discussion spécifique sur la santé et la protection sociale, et on a vu que ça pouvait produire des débats intéressants et je l'espère, les décisions les plus adaptées possibles. Mais la préservation d'un modèle de protection sociale tel que nous le connaissons dans notre pays est un enjeu fondamental, et donc cette course en avant vers la fiscalisation de notre système va poser un certain nombre de problèmes, mais c'est pas la logique que nous souhaitons défendre. Deux choses pour terminer. La première, c'est que je crois que quand on veut modifier les institutions, il faut rechercher le plus large accord, si possible le consensus. Moi, je mets en garde contre celles et ceux qui voudraient légiférer simplement avec une petite majorité sur ces sujets-là. On touche au cadre de l'exercice de notre démocratie, et donc je pense qu'il faut vraiment essayer de rassembler largement l'ensemble des forces politiques. Et nous demandons sur ce sujet un référendum. Merci. Monsieur Paul Christophe pour l'UAI. Oui, merci Madame la Présidente. Nous sommes en désaccord avec la philosophie sous-jacente selon laquelle la lenteur des débats et les dysfonctionnements de la procédure législative seraient le fait des parlementaires. Faut-il rappeler que l'examen des textes d'origine gouvernementale occupe plus de 95% de notre ordre du jour ? Faut-il rappeler également que l'embouteillage législatif que nous rencontrons aujourd'hui est principalement dû à la gestion de l'ordre du jour par le gouvernement ? Faut-il rappeler enfin que sur le projet de loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, dont nous venons de finir l'examen, le gouvernement a déposé en commission, puis en séance, 69 amendements, dont certains ont réécrit substantiellement le texte ? Si préparation il y a, elle n'est pas cherchée du côté du Parlement. L'examen à marche forcée que nous avons connu ces derniers jours nuit à la sincérité, à la clarté des débats et, in fine, à la qualité du débat démocratique. J'aurais déjà l'absence de réponses trop souvent constatées lors de l'examen d'amendements en hémicycle, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de m'en émouvoir samedi dernier. Monsieur le rapporteur, vous nous invitez à se concentrer sur les articles qui ont du sens et de l'intérêt. Sur proposition de mon collègue Vercamer, nous vous proposons de supprimer les articles qui n'ont pas de sens et d'intérêt. Nous gagnerons du temps. Nous ne sommes pas convaincus donc de la pertinence d'élever au rang constitutionnel une mesure qui existe déjà dans le règlement des assemblées. En effet, ce dispositif a déjà fait l'objet d'une expérimentation au Sénat en 2015 avant d'être définitivement inscrit dans le règlement du Sénat l'année dernière. Le règlement de l'Assemblée en prévoit également la possibilité en son chapitre 5. Aussi, plutôt que de légiférer à nouveau, nous avons certainement des possibilités à explorer. Enfin, l'article 7, pour sa part, qui étend donc la durée d'examen du projet de loi de finances de la Sécurité sociale à 25 jours contre 20 jours actuellement. Sur le principe, nous ne sommes pas opposés à cet allongement, bien au contraire. Nous avons toujours déploré le temps trop court réservé à l'examen d'un texte aussi important. Il s'agit donc d'une demande récurrente et plutôt unanime des parlementaires. J'ai bien entendu votre propos, monsieur le rapporteur, mais aujourd'hui, l'écriture proposée ne nous semble pas discuter tout à fait de la même chose. Aussi, nous restons dans l'attente d'une clarification plus formelle. Merci. Et pour terminer, monsieur Boris Vallot, pour Nouvelle Gauche, pour les groupes, je parle. Merci. Il y a deux semaines de cela, dans cette même commission, en réponse à un amendement qui avait été déposé par les groupes GDR et Nouvelle Gauche visant à supprimer l'article 30 de la loi Avenir professionnel, un de nos collègues nous disait que cet article était une avancée démocratique en ce qu'il reviendrait désormais au Parlement de voter chaque année un impôt affecté à l'assurance chômage. Et le rapport pour avis que nous examinons ce matin vient pour le moins relativiser, si ce n'est contredire, cette affirmation. En effet, ce vote d'un impôt affecté à l'assurance chômage appellerait des précautions toutes particulières que le gouvernement semble en passe de supprimer pour le budget de la sécurité sociale avec la réforme constitutionnelle qu'il nous soumet. Le point commun entre ces deux situations, vous l'aurez bien saisi, est la place, le rôle que l'on accorde aux partenaires sociaux, ce que rappelle d'ailleurs très justement notre collègue Olivier Véran dans son rapport pour avis. Et je crois que nous devons nous garder d'affaiblir les partenaires sociaux comme cela a été fait depuis un an sur beaucoup de vos projets de loi. Par ailleurs, notre rapporteur souligne très justement la duplicité de ce texte de réforme constitutionnelle qui nous est soumis sur au moins deux points des articles qu'il a étudiés. D'une part, l'apparente augmentation du temps donné à notre commission pour l'examen du PLFSS, alors qu'en réalité, c'est le gouvernement qui s'attribue plusieurs semaines de délais supplémentaires sur le dos des parlementaires. Et j'invite donc chacun de nous, chacun d'entre vous, et en particulier nos collègues de la majorité, à regarder avec beaucoup d'attention la proposition qui est faite par notre rapporteur d'instaurer un délai minimal de 4 semaines entre le dépôt des projets de loi de finances et le dépôt de financement de la sécurité sociale et leur examen en commission. D'autre part, le rapport souligne les absences de réponse par le gouvernement, apportées par le gouvernement et ses administrations, quant à la procédure qui serait effectivement mise en place dans le cadre d'une loi organique pour cet examen conjoint du PLF et du PLFSS. En revanche, ce même gouvernement, nous dit toujours notre rapporteur,
n'a pas omis d'indiquer clairement ses intentions, à savoir, et je cite le rapport, « le gouvernement n'est pas disposé à laisser le Parlement se substituer à lui dans sa fonction d'arbitrage des grands équilibres financiers ». Et comme le note fort justement notre rapporteur, si un tel propos peut s'entendre s'agissant du budget de l'État, il constitue en revanche une dérive s'agissant de la conception de la sécurité sociale et des organismes sociaux. De plus, notre rapporteur démontre scrupuleusement que la méthode choisie par le gouvernement pour conduire sa réforme empêche le Parlement d'amender la loi organique sur les sujets qui nous intéressent directement. En effet, le silence du projet de loi organique qui nous est soumis sur les articles de la Constitution concernés empêche toute initiative du Parlement au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de câblage législatif sur les projets de loi organique. Enfin, pour ceux de nos collègues qui n'auraient d'autre boussole que les économies, peut-être se laisseront-ils convaincre par les rappels de notre rapporteur sur la bien meilleure gestion financière du budget de la Sécurité sociale, dont la dette représente 50% des recettes annuelles, quand elle est de 700% pour le budget de l'État. Ainsi, le gouvernement nous demande-t-il non pas de lui signer un chèque en blanc dans cette réforme, mais un carnet de chèques en blanc pour réduire encore le temps de travail du Parlement sur le PLF et le PLFSS pour pouvoir décider seul de l'organisation de ces discussions budgétaires à son seul profit, pour mettre en place une procédure qui ouvrirait la porte à une confusion entre le consentement à l'impôt et la solidarité des cotisations pour affaiblir encore plus les partenaires sociaux sans pour autant renforcer les pouvoirs du Parlement. Je me permets donc de revenir à nos échanges sur le projet de loi à venir. Non, les évolutions en cours sur le basculement de l'assurance chômage vers la CSG, comme cette tentative de confusion entre l'examen du PLF et du PLFSS, ne sont pas des progrès démocratiques. Partageant donc les analyses de notre rapporteur, nous en conclurons qu'il faudra rejeter ce projet de loi constitutionnel. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, mes chers collègues, pour ces interventions. Je vais essayer de faire une réponse groupée, merci madame la présidente, sur les sujets. On voit qu'il y a une divergence idéologique à travers des groupes politiques, et c'est pas très étonnant, encore que sur la question de la façon d'appréhender le budget de la Sécu par rapport au budget de l'État. Moi, je vous ai dit que l'attachement très fort à une identité propre pour un budget de la Sécurité sociale, mais ce n'est pas une idée, j'ai envie de vous dire, c'est une idée ni de gauche ni de droite, puisque je vais citer un député qui a longtemps siégé sur ces bancs, Yves Bur, qui a été rapporteur du budget de la Sécurité sociale et qui s'est battu, je crois, pied à pied pour préserver, mettre en place un budget de la Sécurité sociale propre, identifié à côté du budget de l'État. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis l'adoption de la LOLF et depuis que nous votons chaque année un ONDAM? La situation des finances publiques en matière de budget de la Sécurité sociale s'est énormément améliorée. Il y a 20 ans, la Sécu démarrait son déficit. En 2008, le déficit était creusé de plus de 20 milliards d'euros par an. Et nous savons désormais que l'année prochaine, le déficit va être totalement résorbé et qu'on va pouvoir commencer à parler même éventuellement d'excédents, ce qui paraît complètement incroyable au regard des 20 dernières années. Ça fait 20 ans que la Sécu était à découvert. Et il y a une dette sociale qui est importante qu'il nous faut être capable de rembourser. Nous le faisons à travers la CADES. Il y a aussi une dette sociale qui est importante, qui est à la cause de 30 milliards d'euros. Donc, je veux dire, savoir ce qui sera faisable de cet argent, étant donné la situation des finances publiques, la question ne se pose pas trop. Mais est-ce que c'est le moment, monsieur Dor, est-ce que c'est le moment où les finances sociales s'améliorent? Est-ce que c'est le moment d'aller considérer que cet outil qui a fait montre de son efficacité, d'une bonne gestion budgétaire, est-ce que c'est le moment de se dire que cet outil doit disparaître pour se fondre dans le budget de l'État? Est-ce que c'est le moment de considérer qu'on pourrait remplacer un impôt par une taxe sociale ou une contribution sociale et vice-versa? Est-ce que c'est le moment de considérer que les Français qui cotisent dans une caisse de sécurité sociale pour leur retraite pourraient voir finalement ces cotisations venir dans les caisses de l'État, alors que ce serait toujours une caisse de sécurité sociale qui délivrerait leur retraite? Est-ce que c'est très sécurisant pour la population? Est-ce que les gens s'y retrouveraient? La réponse, elle est non. Et si on remonte à 45 et au discours fondateur de Pierre Laroque sur la création de la sécurité sociale, on voit bien que l'inclinaison qui a été prise par la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale était davantage d'identifier un premier pan de la sécurité sociale avant de l'étendre progressivement à une sphère de protection sociale. En 1945, il n'y avait pas le chômage de masse que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y avait pas encore le recours aux retraites complémentaires parce que la période de vie en retraite était plus courte. Et aujourd'hui, on peut se poser même la question de savoir si la Sécu prend toute l'ampleur qu'il conviendrait qu'elle ait, ou si au contraire, il ne faudrait pas se poser la question de la renforcer. Donc je crois vraiment que le moment n'est pas venu de se poser la question de la fusion de ces deux budgets. En tout cas, le rapporteur... oui, non, mais sur les recettes. Mais vous allez dire aux Français, vous cotisez pour vos retraites,
Vos cotisations retraite vont aller dans la caisse de l'État, et c'est une caisse indépendante, la caisse de la Sécurité sociale, qui va vous délivrer les prestations. Pardon, mais même en tant que cotisant, en tant que citoyen, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère que l'argent que je vais cotiser dans une caisse soit reversé par cette même caisse, redistribué. Et on est conforme aux principes fondateurs de la Sécurité sociale qui veulent qu'on contribue en fonction de ses moyens et qu'on reçoit en fonction de ses besoins. On va tout y perdre. Si on commence à faire des tuyauteries TVA versus CSG, versus, on va tout y perdre. Je veux dire, on aura perdu la visibilité, la clarté, notre modèle social sera remis en cause. Donc vraiment, l'attachement est très fort. J'espère que vous le percevez comme tel, mais on aura manifestement ce débat en commission des lois. S'agissant de la loi organique, rien n'est joué. Je réponds à M. Vallot sur la loi organique, rien n'est joué. Un, je ne vois pas aujourd'hui de disposition dans une loi organique qui viendrait traduire dans le droit ce que la Constitution prévoit à l'article 7. Ça n'y figure pas. Donc rien n'empêchera le gouvernement de revenir devant le Parlement avec une loi organique pour définir et préciser ses intentions en matière de lecture conjointe des textes. Mais rien n'empêchera les parlementaires que nous sommes alors d'intervenir sur ce texte, de le modifier et de l'entériner ou non. Et ayant dit ce que j'ai dit sur la volonté de conserver une spécificité obligée de la Sécu, soyez sûrs que sur les bancs de la majorité, nous serons extrêmement vigilants à ce que nous n'ayons pas dilué la Sécu dans un budget global de l'État. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci. Juste une petite remarque avant de passer la parole au député. S'agissant du rapprochement du PLF et du PLFSS, moi je souscris totalement aux propos du rapporteur général Olivier Véran. Il va de soi, à mon avis, que la limite de ce rapprochement est que le PLFSS ne doit pas, selon moi, être abordé sous l'angle financier. Pour ma part, je pense que la porte d'entrée de ce texte doit être le contenu des politiques sociales qu'il porte. Je serais donc Monsieur Dor, tout à fait hostile à une fusion de l'examen des recettes. Voilà. Mais ça, c'était mon avis. Nous allons continuer. Monsieur Bernard Perru, pour les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, les articles, bien sûr, dont nous avons à connaître devant cette commission sont indissociables du texte global, sur lequel on peut effectivement avoir un certain nombre d'interrogations, voire même des oppositions. Mais effectivement, on peut qu'être tous favorables à certaines évolutions dès lors qu'elles seraient positives pour le fonctionnement de notre Assemblée. Toutefois, on peut s'interroger à travers les mesures qui sont proposées. Raccourcissement de la navette parlementaire, réduction en quelque sorte des pouvoirs du Parlement. Lorsqu'on parle d'irrecevabilité dès la première lecture des amendements présentant un lien indirect avec le texte examiné, ou encore la création d'une nouvelle priorité gouvernementale sur l'ordre du jour parlementaire. Cela m'ennuie quelque peu, puisqu'il mettrait fin de facto au principe de l'ordre du jour partagé, dont c'est bien un affaiblissement du Parlement. Et puis cet article 4, qui peut nous interroger, parce qu'en 2008, une évolution avait déjà été faite. La discussion des projets et des propositions de loi portant séance sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43. Et ici, on va encore plus loin, mais on va plus loin en quelque sorte en restreignant la liberté d'intervention, j'allais dire, des parlementaires. Puisque cet article complète l'article 42 de la Constitution, permet l'adoption en commission de projets ou de propositions de loi qui seraient alors uniquement mis en discussion en séance, et le droit d'amendement sur les articles ne pourrait se faire qu'en commission. Ce qui veut dire que les députés ne pourraient être présents dans les débats que sur les sujets mêmes auxquels ils sont attachés par le biais de la commission auquel ils appartiennent, sans pouvoir intervenir sur d'autres sujets en séance publique. Et c'est, à mon sens, limiter le champ d'intervention du député, qui, en soi, doit pouvoir intervenir sur n'importe quel sujet, sur n'importe quelle proposition de loi, sur n'importe quel projet de loi. Et j'avoue, je suis quelque peu inquiet devant cette évolution qui, à mon sens, restreint le rôle du député plutôt que de le maintenir ou plutôt que de le conforter. Voilà en tout cas l'interrogation que je veux poser devant vous. Et bien sûr, demande à monsieur le rapporteur de nous rassurer sur ce point, mais le peut-il ? Merci. Madame Isabelle Valentin pour Les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Tous les députés doivent pouvoir se prononcer sur un texte. L'article 4 du projet de loi constitutionnelle vise à rendre possible l'examen en commission d'un certain nombre de textes
qui ne seraient ensuite ratifiées qu'en tout en partie en séance. Mais le temps d'examen d'un texte au Parlement est du temps utile. Le Parlement enrichit en effet de façon conséquente les projets de loi qui lui sont soumis. C'est le débat démocratique. Je soulignerai que, lors de la précédente révision de la Constitution, le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par Édouard Balladur, avait rappelé dans son rapport que « la tradition juridique française fait de la discussion dans l'hémicycle le lieu privilégié de l'expression démocratique ». La commission Balladur avait proposé une modification inspirée par le souci de remédier à la dégradation continue de la qualité des lois. En effet, comme le relève le rapport de ladite commission, l'abus du recours au droit d'amendement conduit à un gonflement des textes législatifs qui perdent consécutivement en lisibilité. Cet abus n'est pas seulement le fait des parlementaires, mais également du gouvernement, qui alourdit souvent ses propres projets par des amendements portant des articles additionnels. Tout l'enjeu de cet article est donc de trouver un équilibre entre la qualité du travail parlementaire et le temps qui sera consacré au débat. Je vous remercie. Merci. Merci, madame. Sébastien Chenu. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Nous considérons qu'il est souvent confondu, en tout cas sur ce texte, vitesse et précipitation, réforme et démagogie, mais aussi fluidité et volonté de bâillonner une partie des parlementaires. La faiblesse de ce texte global, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais finalement, c'est surtout un affaiblissement constant des institutions, la capacité à légiférer, l'éloignement des élus, des électeurs, qui marque cette réforme qui va être présentée. On a bien compris, les élus ça coûte cher, les élus c'est ringard, l'Assemblée nationale c'est ringard, on a entendu ce petit discours pendant un an, et c'est vrai que à travers les textes qui nous sont proposés, ça illustre cette vision que vous avez. On a surtout été marqué pendant cette année d'une gestion d'un ordre du jour absolument approximatif et d'un travail marqué par un amateurisme que cette maison avait, il faut bien le dire, assez peu connu. Le projet de loi sur les fake news de la semaine dernière nous en a donné un triste exemple. Mais c'est surtout l'affaiblissement et l'affaissement constant de la fonction de député et donc finalement votre vision de la démocratie qui est portée à travers ces textes. Et j'en donne deux exemples. Votre incapacité à prendre en compte un amendement venu de l'opposition, quelle qu'elle soit, le moindre amendement quel qu'il soit, et puis un sectarisme total qui ne permet pas évidemment à des représentants, en tout cas par exemple les représentants du Rassemblement national, qui représentent des millions d'électeurs, d'être représentés comme il le faut dans cette maison. Au-delà de ça, cette loi porte le détricotage minutieux des outils démocratiques auxquels vous vous attaquez aujourd'hui. L'article 4, cela a été dit, limite les champs du député. Un député qui ne ferait pas partie de la commission affaires sociales ne pourrait pas intervenir, ne pourrait pas déposer d'amendement sur un texte qui aurait été retenu dans notre commission. C'est donc, Isabelle Valentin l'a dit, une limitation du champ de compétences et de possibilités des députés. L'article 7, une réduction de délai, mais quel mauvais coup vient-elle encore parer ? Nous serons hostiles aux articles 4, aux articles 7. Nous aurons l'occasion de nous exprimer sur le texte global, mais nous avons bien compris quelle était la logique qu'il y avait derrière tout cela. Oui, juste pour rappel, si ce texte est d'origine gouvernementale, certes soit, au niveau des amendements, c'est un peu compliqué, mais je rappellerai quand même que sur le texte formation professionnelle, on a eu près de 300 amendements acceptés sur tous les bancs. Donc je ne voudrais pas non plus qu'on en vienne à ce genre de procès d'intention systématique. Madame Corneloup, pour les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur. L'article 4 du projet de loi constitutionnelle que nous examinons pour avis instaure le droit d'inventaire institutionnel. Cet inventaire se fera par le gouvernement qui décidera donc quel article relève de la discussion en séance et quel autre de la discussion en commission. La qualité du travail en commission est ainsi victime de son succès. Et les députés non experts du domaine ou tout simplement occupés par les travaux de leur commission ne pourront discuter en séance uniquement ce que le gouvernement aura bien voulu leur réserver. On nous dit que la pratique existe déjà au Sénat. C'est vrai, cela prouve qu'il n'est pas nécessaire d'inscrire ce droit de dépôt circonstancié dans la Constitution. L'organisation de nos travaux et son rigoureux règlement pouvant très bien s'adapter à cette pratique. J'aimerais également rappeler un élément qui me paraît important. Le délai moyen d'adoption d'un texte est de 149 jours pour le Parlement français, contre 400 jours aux Pays-Bas,
164 jours au Royaume-Uni et 156 jours en Allemagne, où le Parlement examine 10 fois moins d'amendements qu'en France. Nous ne voyons pas davantage de crise institutionnelle dans ces pays voisins. Une réforme institutionnelle doit répondre à une crise ou au souhait des Français consultés spécifiquement pour l'occasion. En l'absence de l'une et de l'autre, je suggère de ne pas abaisser les pouvoirs du Parlement et de revaloriser son action par l'adoption de tout texte qui permettrait de répondre aux réelles attentes de nos concitoyens. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Je ne reviens pas sur la question qui avait pu déjà être abordée. Juste vous faire une remarque. On s'est tous fait déjà la remarque ici que la procédure parlementaire telle qu'elle existait aujourd'hui était parfois redondante. On s'est tous retrouvés, enfin ceux d'entre nous qui ont déjà mis les pieds dans une lecture définitive du PLFSS par exemple, savent que on se sent bien seul au perchoir à faire la xème discussion générale du même texte. Je l'ai même dit la dernière fois au perchoir et il y avait tellement peu de gens dans l'hémicycle que j'aurais pu raconter à peu près n'importe quoi, tout en disant c'est la quatrième fois que je monte au perchoir pour avoir un discours que j'ai eu la semaine dernière, que j'ai eu il y a 15 jours, que j'ai eu il y a 3 semaines. Finalement, est-ce qu'on pourrait pas tous faire autre chose à la place? Donc je crois qu'en matière de... Et quand j'explique, j'étais avec une classe de CM2 au Parlement des enfants la semaine dernière et qu'ils m'ont dit combien de temps faut pour examiner un texte. Je me suis mis à leur faire la logique de présentation de la façon dont nous examinons les textes à l'Assemblée, et c'était vachement long, la présentation était très longue. Je vous explique, vous avez d'abord une semaine en commission, puis la semaine d'après en séance, puis la semaine d'après, il y a un vote solennel avec tous les députés. Puis vous avez la navette, le texte part au Sénat, il y a une semaine en commission, puis une semaine en séance, puis après il y a un vote. Puis après on réunit ceux qui ne sont pas d'accord, députés, sénateurs, ça nous prend encore un peu de temps, on voit qu'ils ne sont pas d'accord, et le texte revient à l'Assemblée. Là il y a une semaine en commission, puis ensuite il passe en séance, puis ensuite il est voté. Puis il repart au Sénat, en commission, en séance, puis il est voté. Et puis comme c'est un texte budgétaire, ben, il va repartir à l'Assemblée. Ils m'ont regardé avec des yeux en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Non, je veux dire, c'est pas du tout pour dénigrer, mais pour dire on peut peut-être améliorer, et je crois que c'est la volonté du gouvernement, d'être capable d'améliorer les rouages du fonctionnement parlementaire, non pas pour nous retirer la possibilité de débattre entre nous, mais pour faire en sorte que les débats que nous ayons ne soient pas les mêmes d'une semaine sur l'autre, surtout qu'avec les procédures d'entonnoir en matière d'examen budgétaire, on sait très bien qu'on va pas rajouter de nouveaux éléments au débat et qu'on va être plutôt dans une correction du texte, tenir compte du travail des sénateurs, etc. Donc, franchement, moi, je vois pas... J'ai été très franc dans le rapport. Hein. Boris Vallot l'a suffisamment souligné, les qualités qu'il trouvait au rapport, pour que vous puissiez considérer que le rapport se veut franc lorsque c'est nécessaire. Sur le rôle des pouvoirs conférés aux parlementaires, je crois pas du tout, je vois pas du tout la lecture de la réduction du pouvoir des parlementaires. Il y a deux amendements que je vous proposerai tout à l'heure qui visent plutôt à augmenter les pouvoirs des parlementaires. D'abord, une audition systématique dans un but de contrôle et d'évaluation des ministres en charge du PLFSS chaque année devant le Parlement pour un rapport d'application de la loi de financement de la sécurité sociale, à l'instar de ce qui existe pour les commissaires aux finances, pour que les ministres puissent rendre des comptes sur l'application du budget que nous avons voté, ce qui constituerait une nouveauté et un temps fort annuel. Et la deuxième chose, c'est qu'on aille vers un délai incompressible entre le moment où le texte est déposé en Conseil des ministres et le moment où il est examiné en séance. Parce que s'il y a quelque chose que je partage complètement avec vous pour être totalement transparent, et ça, c'était déjà le cas dans le mandat d'avant, et c'était le cas dans le mandat d'avant, et c'était le cas dans le mandat d'avant. Quand vous avez un texte de 300 pages qui est déposé au Conseil des ministres un mercredi et que vous avez la deadline de dépôt des amendements par les commissaires qui est le vendredi après-midi, c'est absolument impossible de faire un travail. Donc on sait très bien que dans ces cas-là, il y a ceux qui ont eu le texte parce qu'ils l'ont eu par un syndicat ou par une presse spécialisée, il y a ceux qui ne l'ont pas eu parce qu'ils arrivent et qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'on trouve le texte, il y a des auditions parfois ahurissantes, rapporteurs, où on n'est pas censé avoir eu le texte, mais les gens en face de nous sont censés l'avoir eu et finalement on ne sait pas trop ce qu'on va se raconter. On voit bien que là, il y a un problème de mécanique parlementaire et je pense que si on doit accentuer nos efforts et la pression amicale à mettre sur l'exécutif, c'est pour gagner du temps, pour faire notre travail correctement en amont de l'examen du texte. Mais après, dans la procédure parlementaire, chacun est libre d'avoir son opinion. Mais voilà, je ne partage pas l'idée selon laquelle on retire du pouvoir en se disant qu'il y a des textes qu'on va pouvoir débattre essentiellement en commission. Et d'ailleurs, Madame Valentin, si votre groupe défend à la fois l'idée de la fusion des recettes du budget de l'État et de la Sécu, et à la fois l'idée selon laquelle il faudrait qu'on débatte spécifiquement, plus longtemps et dans de bonnes conditions, ici, du titre recettes, je vous le dis, ne votez pas votre amendement. Parce que si vous fusionnez, vous allez perdre la spécificité conférée au commissaire aux affaires sociales d'examiner, de débattre ensemble les recettes propres aux dépenses sociales. Et même en termes d'équilibre budgétaire et de sérieux budgétaire, c'est toujours plus intéressant d'être à la fois ceux qui votent les recettes et ceux qui votent les dépenses. Parce que quand vous êtes engagé, quand vous voulez engager une dépense, et que vous avez vu comme il est compliqué de faire rentrer les recettes et de les maintenir à flot, généralement, ça modère un tout petit peu collectivement les ambitions en matière de dépenses. Donc, c'est pour ça que c'est un tout, c'est un ensemble que je pense qu'il ne faudrait pas abîmer.
après les discours sur l'antiparlementarisme de M. Chenu, je vous les laisse. J'ai cru à un moment donné que vous parliez de vos propres propos sur le Parlement européen, parce que j'entendais encore il n'y a pas longtemps un élu du Front National ou du Rassemblement National parler du fonctionnement du Parlement européen. Il était un petit peu plus trash que ce que vous venez de dire, de reprocher à ce qu'on pouvait dire sur le Parlement français, mais objectivement, voilà, je crois que ce n'est pas le lieu ici d'avoir ce débat. On est vraiment sur un dossier technique, mais quand même intéressant. Merci. Bien, je vais prendre toutes les demandes d'intervention en suivant, puisqu'il s'agit plus d'intervention que de questions. Jeanine Dubié. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, améliorer l'organisation du travail parlementaire est un objectif louable, mais le faire au travers de la limitation du droit d'amendement pose tout de même question. Alors, en effet, un parlementaire peut toujours déposer un amendement dans une commission à laquelle il n'appartient pas, sauf qu'il ne peut pas voter. Donc la question que je vais poser à notre rapporteur, c'est, dans l'hypothèse regrettable où ce texte ou cet article resterait en l'état, est-ce qu'il y aura une modification pour permettre aux députés qui appartiennent à une autre commission mais qui est intéressé par un texte qui est examiné de pouvoir voter au moins son amendement ? Sur l'examen conjoint en tout ou partie des textes financiers, je partage les observations et les réserves de notre rapporteur. Et donc je voterai son amendement. Et puis un trait d'humour peut-être, il faut peut-être prendre le mal à la racine et éviter effectivement que quand les gouvernements se succèdent, tous les ministres veuillent avoir systématiquement sa loi. Et dans le cas présent et dans ce qu'on vient de vivre depuis un an, peut-être aurait-il été utile de laisser vivre certains textes qui avaient été votés dans la précédente mandature, d'en mesurer les effets avant de vouloir changer immédiatement la loi. Merci. Merci. Cyril Isaac-Sibille, pour le MoDem. Merci, Madame la Présidente. Je reviendrai essentiellement sur l'article 4. Première chose, ici, nous sommes nombreux nouveaux députés et on voit bien qu'il manque la procédure fonctionne mal. Moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que ce qui m'a surpris, c'est qu'on passe 3 mois à voter le budget et qu'on passe quelques heures à le contrôler. Et là, il y a vraiment un problème. On a en même temps tous ou souvent des anciens élus locaux. On voit comment ça se passe effectivement au niveau de notre collectivité par rapport aux commissions et par rapport aux séances. Et on voit que c'est quand même beaucoup plus simple. Et je trouve que c'est plutôt bien cette proposition dans le sens où d'abord, il y aura un premier temps en commission qui est celui du temps de l'examen, le temps de la discussion, le temps des questions et des réponses. Ça, c'est le travail parlementaire. Et puis, il y aura le deuxième temps, qui est celui de la délibération, de la décision et du vote, qui se fera en hémicycle. Donc, les choses sont plutôt plus claires. Maintenant, le principe, c'est que par rapport à cette réforme, ça réussira si nous en saisissons. C'est nous qui en sommes responsables. Je pense qu'effectivement, ça pourra renforcer le rôle du Parlement en le faisant travailler mieux et en le faisant travailler de manière plus efficace. Mais effectivement, la responsabilité sera la nôtre. Vous, Madame la Présidente, dans le sens effectivement, c'est vous effectivement, qui devrez organiser ces débats. Ça sera aussi la responsabilité du gouvernement qui devra nous présenter, comme nous l'a répété monsieur le rapporteur, les documents au moins un mois avant. Ça sera aussi la responsabilité des ministres qui seront là et qui devront être assidus par rapport à leur présence. Et puis ça serait une réussite si nous sommes rigoureux dans notre travail. Mais en même temps, c'est vrai qu'on se pose la question des votes, et je suis un petit peu sensible par rapport à ça. Et à partir du moment où le budget dure 3 mois, je pense qu'il y aura nombreux députés qui viendront assister, que ce soit pour le PLF ou le PLVSS. Je ne sais pas si la salle sera assez grande, et on peut même se poser la question de savoir si ce travail en commission ne pourra pas se faire en partie en hémicycle. Merci. Pardon. Jean-Carl Grelier, pour Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Un peu d'histoire, si vous m'y autorisez. Le 4 octobre 1958, le Constituant produisait la Constitution de la Ve République, qui était un objet constitutionnel non identifié. Les typologies traditionnelles du droit constitutionnel ne permettaient pas à l'époque de distinguer entre un régime parlementaire traditionnel et un régime présidentiel traditionnel, à telle enseigne que les constitutionnalistes ont inventé un qualificatif « nous sommes dans un régime présidentialiste ». Certains ont même, quelques années après l'adoption de la Constitution, parlé de coup d'État permanent pour évoquer les pouvoirs considérablement renforcés du président de la République. Alors,
La réforme constitutionnelle qui nous est proposée aujourd'hui va diminuer assez sensiblement les pouvoirs d'intervention du Parlement. Et comme elle ne change pas les pouvoirs dévolus au président de la République et à l'exécutif en général, elle va les renforcer à nouveau. Et je m'en inquiète un peu. Aujourd'hui, sommes-nous près d'un coup d'État permanent ou sommes-nous près du 18 Brumaire ? Aujourd'hui, la Constitution et le fonctionnement de nos institutions, c'est un bien commun, c'est notre contrat démocratique. Et honnêtement, aujourd'hui, le déséquilibre que cette réforme constitutionnelle va créer a de quoi inquiéter sur le devenir et sur la dérive de nos institutions. Je me permettais simplement d'attirer sur ce point votre attention. Merci. Monique Kibora pour République En Marche. Oui, moi, je voulais revenir sur ce qui a été proposé par nos collègues les Républicains. Je suis, Madame la Présidente, tout à fait de votre avis concernant mon opposition totale à la fusion telle que vous l'avez présentée. Projet de loi sécurité sociale, projet de loi de finances. Pourquoi ? Ce serait un signal très négatif à nos concitoyens, laissant penser que l'ensemble des politiques sociales et leur champ d'intervention n'ont qu'une logique a priori budgétaire. Notre démarche n'est pas de négliger ces aspects, mais en aucune manière elle ne peut se résoudre à cette équation. Vous l'avez compris, enfin je croyais que vous l'aviez compris, nous voulons traiter non pas le symptôme mais la maladie, et les réformes adoptées ou celles que nous adopterons répondent essentiellement à cette logique. Donc ne voulons pas y déroger. Merci, Madame. Francis Vercamer, pour l'UAI. Oui, merci, Madame la Présidente. Je veux dire que ce texte m'apparaît quand même un affaiblissement de la démocratie. De plus en plus, notre Assemblée, le Parlement, devient une chambre d'enregistrement. De plus en plus, le gouvernement légifère par ordonnance. De plus en plus, il légifère dans l'urgence. J'avoue que cet article 4, notamment de ce texte, ne va pas dans le sens inverse. Il continue cette marche en avant vers le fait de rendre notre Parlement une simple chambre d'enregistrement, et particulièrement l'Assemblée nationale. Alors c'est pas dû à cette majorité, c'est dû aux majorités depuis le quinquennat. Depuis le quinquennat, effectivement, la majorité est pléthorique et suit l'élection présidentielle. Et le gouvernement a l'impression qu'en fait, le Parlement n'est plus que l'enregistrement des décisions qu'il a prises, d'un programme électoral sur lequel il a été élu, ne pense pas que la majorité ou même l'opposition pourrait enrichir le texte. Mais que sera-t-il si un jour on revient à majorité plurielle ? Il faut se poser la question. Parce que effectivement, le ministre pourrait être mis en minorité lors d'une commission. Parce que la majorité serait fissurée, on a connu ça dans le passé, et auquel cas, il n'y aurait pas de retour en arrière dans l'hémicycle, et une crise gouvernementale s'instaurerait. Moi, j'attire votre attention sur le sujet, parce qu'une constitution est faite non pas pour une majorité, mais pour un pays et pour une démocratie. Le gouvernement mélange souvent vitesse et rapidité, et malheureusement parfois précipitation. Pour beaucoup de pays dans le monde, la France est le pays des lois. C'est-à-dire qu'on légifère beaucoup trop. D'ailleurs, même en France, beaucoup de gens le disent. Et la suppression du droit d'amendement, pour aller plus vite, ne va pas aller dans le sens, à mon avis, d'une amélioration des textes. Et nous allons continuer à faire des textes mal ficelés, mal écrits, bavards parfois, qui ne règlent rien. Je prends la formation professionnelle. Moi, ça fait quatre mandats que je fais la réforme de la formation professionnelle. Et chaque fois, on me dit c'est la meilleure réforme qu'on ait faite. Je ne suis pas persuadé que ce soit le cas encore cette fois-ci. L'avenir nous le dira. En tout cas, moi, je serais plutôt pour limiter le nombre d'amendements par groupe et par article. C'est-à-dire que les groupes définiraient le nombre d'amendements qu'ils déposeraient sur le texte de loi et répartiraient en fonction... De toute façon, il n'y a toujours généralement qu'un orateur qui parle. Hein, donc il défendrait l'ensemble des amendements. Et on limiterait le nombre d'amendements par groupe. Ça permettrait d'éviter d'avoir 2000 amendements, dont quelquefois 50 identiques sur le même article. Merci. Audrey Dufeu-Schubert pour République En Marche.
Merci Madame la Présidente. L'article 4 rend vraiment plus efficient le droit d'amendement et au contraire, il ne le restreint pas. Alors j'entends les inquiétudes de nos collègues LR, nos collègues France Insoumise, parce que c'est vrai, peut-être, il rationalise la stratégie d'amendement qui est souvent, pour certains groupes, c'est ce que j'ai pu observer lorsque je suis arrivée dans l'hémicycle, qui est souvent inflationniste. L'amendement, ce ne doit pas être une stratégie politicienne qui peut desservir souvent le texte politique au sens noble. L'amendement ne doit pas répondre non plus à remplir à des indicateurs souvent contre-productifs de certains sites web évaluant le travail législatif des parlementaires. Si on regarde la définition pure de l'amendement, un amendement c'est quoi ? C'est une opération visant à améliorer. Ce n'est pas une opération visant à s'améliorer soi-même et je pense qu'il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Monsieur Quatennens, pardon, vous dites que vous souhaitez que la procédure parlementaire soit mieux organisée, plus efficace, avec plus de vitalité. Je pense que c'est l'objectif de cette réforme constitutionnelle. Vous dites que c'est au peuple de réformer. Eh bien, je pense que c'est là notre rôle de député. Nous sommes tous députés, élus de la représentation nationale. Alors, qui de nous sommes le mieux placés pour la réformer, justement ? Par rapport au rapprochement PLF-PLFSS, je rejoins tout à fait mon collègue Olivier Véran. Je pense que cela doit être un cercle vertueux entre nos politiques publiques et nos politiques sociales. Nous devons avoir un bon équilibre de nos recettes sociales et de nos dépenses sociales. C'est un principe fondamental d'un modèle social-démocratique. C'est aussi l'assurance d'un portage social fort sur lequel nous devons être optimistes et faire preuve de prospective pour l'avenir avec toutes ces années qui ont été très contraintes avec des déficits budgétaires. Nous devons rester donc vigilants et attentifs et je rejoins le rapporteur et je le remercie pour son analyse et c'est pourquoi nous devons voter ces amendements. Merci. Merci et pour terminer, Monsieur Quatennens pour France Insoumise. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai profité de mon intervention pour notamment répondre aux choses qui viennent d'être dites. Bon, d'abord, concernant, chers collègues, des amendements qui seraient des postures politiciennes. Bon. Clairement, si elle essaie de faire de l'obstruction parlementaire, nous l'avons déjà dit, les différents groupes sauraient faire. Par le passé, ça s'est déjà fait. On a déjà vu des milliers d'amendements déposés pour faire de l'obstruction parlementaire. Ce n'est pas la méthode que nous appliquons. La méthode que nous appliquons, c'est systématiquement, sur chaque projet de loi que vous posez, d'avoir non seulement un décryptage de notre point de vue, qui bien sûr n'est pas le vôtre, de ce que vous faites, et toujours de la contre-proposition. Nous avons été jusqu'à construire des contre-budgets, des contre-propositions de loi, pour faire la démonstration de ce que nous ferions en place. Par contre, s'il s'agit de parler d'amendements pour la posture politicienne, s'il vous plaît, balayez devant votre porte. Parce que depuis quelque temps, parce que certains députés de la majorité, je pense, s'ennuient un peu à simplement jouer le rôle de passe-plat du gouvernement, on les a vus déposer des amendements pour les retirer en masse. Pourquoi ? C'est vous, c'est dans vos rangs que sont les premières victimes, du statistique nosdéputés.fr. Donc sur les amendements postures, je pense qu'il y a fort à faire de votre côté. Pour le reste, et pour revenir à ce qu'a dit monsieur le rapporteur, monsieur Véran, je ne doute pas de la qualité de vos présentations de l'Assemblée nationale devant les collégiens du collège que vous avez visité. Par contre, je doute qu'après votre présentation, ils n'aient pas envie de faire autre chose que de fermer l'Assemblée nationale. Parce que oui, clairement, pour vous, on l'entend, il y a trop de parlementaires, il y a trop de lectures de textes, il y a trop d'amendements, mais finalement, assumez-le. Il y a trop de démocratie dans ce pays. Dites-le, c'est votre position. Fermez l'Assemblée nationale, puisque c'est ce qui semble vous intéresser. Clairement, je pense que là, vous êtes à côté. Encore une fois, vous prétendez améliorer les choses, mais vous ne ferez que les aggraver. J'alerte sur un point, s'il vous plaît, chers collègues. Ça fait plus de 20 fois que la constitution de ce pays a été revue sans qu'on demande son avis au peuple. Dire qu'on... Non mais attendez, c'est pas dogmatique cette affaire. Vous êtes les premiers à vous plaindre sans cesse de l'abstention considérable que l'on voit d'élection en élection. Je vous alerte, nous ne pourrons pas continuer à aller de scrutin en scrutin en pensant que la situation va pouvoir continuer. Le mot constituante parfois peut faire peur. En réalité, c'est que là où ça a été appliqué notamment... Tenez-vous bien, même dans les campagnes les plus reculées, où il y avait de l'abstention, on allait jusqu'à imprimer sur les paquets de pâtes et les paquets de riz les discussions en cours dans le cadre de l'Assemblée constituante. Ça permet au peuple tout entier de se réapproprier la politique. C'est pas un gros mot. Notre Assemblée n'est pas coupée des réalités. C'est au peuple lui-même de faire la politique. Notre Assemblée devrait ressembler à ce qu'est le peuple. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alertez-vous. Arrêtez simplement de considérer que quand c'est la France insoumise ou d'autres qui parlent, c'est du coup dogmatique. Intéressez-vous à ce que nous racontons plutôt que de savoir qui nous sommes. Monsieur Quatennens, s'il vous plaît, pour la sérénité des débats,
Ici, personne n'a le monopole de la sincérité de l'amendement. Donc, chaque parlementaire qui dépose un amendement fait son travail de parlementaire. Ce n'est pas une question de majorité-minorité. Alors ensuite, je passe la parole à Monsieur Daréville pour 2 minutes. Oui, merci, Madame la Présidente. Simplement sur deux points qui ont attiré mon attention dans la discussion que nous venons d'avoir. D'abord, je crois que la nation, nous la représentons ensemble. 577 ici à l'Assemblée nationale. Et donc le fait de découper, de parcelliser cette représentation pour adopter un certain nombre de textes et par le biais de cet amendement numéro 4, je crois que ça pose un problème fondamental. Bon, c'est la première remarque que je voulais faire. Alors, ce d'autant qu'en plus, on ne choisit pas toujours sa commission. Moi, je sais que dans mon groupe, on a eu un certain nombre de discussions importantes pour se répartir les rôles. Hein, et donc, et évidemment, je crois que chacun peut être légitime à déposer des amendements sur n'importe quel sujet, même s'il ne relève pas de sa commission, y compris les délibérer, les voter, etc. Donc je ne vois pas bien quelle cohérence peut prendre cette disposition dans sa mise en œuvre concrète. Deuxième aspect sur le contrôle, parce qu'on a eu beaucoup de débats autour de ça dans la période précédente. Moi, je crois qu'il faut se garder de cantonner le Parlement à être une sorte d'assemblée de commissaires aux comptes. On ne peut pas être ceux qui arriveront après, une fois que le budget est exécuté, pour dire « tiens, vous l'avez bien exécuté ou pas bien exécuté ». Ça fait partie de notre rôle d'effectuer ces missions de contrôle. Enfin, le travail législatif qui est le nôtre est fondamental. Or, le sentiment que j'ai à travers cette réforme, c'est qu'en réalité, on va encore rogner sur notre capacité, notre pouvoir législatif, y compris de manière concrète dans l'organisation de l'agenda, du planning de l'Assemblée, pour nous dire « oui, mais vous allez jouer un rôle important dans le contrôle ». Mais je pense que, franchement, ça contribue à déséquilibrer les pouvoirs. Merci. Et pour terminer, Boris Vallot. Oui, pardonnez-moi, mais les uns et les autres, on dit peut-être avec d'émotion et peut-être d'excès, mais ce que l'on ressent tous, beaucoup d'entre nous sommes élus pour la première fois. Et beaucoup d'entre nous ont un sentiment d'impuissance et d'inutilité considérable. Ont un sentiment de travailler dans des conditions déplorables, de faire un mauvais travail, de mal légiférer. On n'en fait pas le procès seulement à ce gouvernement, mais à la pratique institutionnelle de la Ve République, sans doute par l'effet du quinquennat, mais bien au-delà. Et donc nous sommes en droit de nous interroger, de savoir si la prochaine réforme constitutionnelle viendra surmonter les maux que nous avons identifiés. Et ça ne nous paraît pas être le cas. On a le sentiment que ça viendra aggraver un déséquilibre institutionnel plutôt que de venir le résoudre. Et faire du Parlement le plus docile des corps dociles du gouvernement, ça n'est pas un progrès de la démocratie. On a besoin d'une démocratie vivante. Pour ce qui me concerne, je n'oublie jamais que cette Assemblée a été élue par moins d'un Français sur deux. Et si ceux qui n'étaient pas allés voter y avaient donné du sens politique, ce serait déjà pas mal. Et je pense que le décrochage est tel que ce n'est pas même, le cas. Et j'appuie l'idée qu'il faut un Parlement fort dans une grande démocratie comme la nôtre, et ça n'est pas le cas. Et allons au bout du questionnement sur notre travail. Général Legault disait la politique économique ne peut pas se faire à la corbeille, mais de plus en plus, elle se fait rue Cambon. C'est pas mieux. Donc proclamons notre indépendance et notre autonomie par rapport notamment à l'exécutif. Merci, monsieur le rapporteur général, pour des conclusions. Beaucoup de choses ont été dites, certaines de nature très politique, d'autres qui touchent à la nature du texte. Peut-être pour répondre à madame Dubié et à d'autres députés qui ont pu s'interroger sur la concrétisation dans le droit effectif de la réforme constitutionnelle qui nous intéresse. Cela renvoie à la loi organique. Le contenu, la façon dont le gouvernement veut lire, nous proposer une lecture de la partition que nous allons voter dans quelques minutes, ça renvoie à la loi organique. Au cours des auditions, je me suis vraiment attaché. Je remercie d'ailleurs Audrey Dufeu-Schubert qui est intervenue tout à l'heure et qui a participé à plusieurs des auditions et qui a enrichi le travail. On s'est attaché à essayer de vraiment saisir quelles étaient les intentions gouvernementales. Et si vous lisez le rapport,
vous verrez que la liberté d'expression est de mise, qu'il n'y a aucune censure, et que, encore une fois, sur les 17-18 pages du rapport, un certain nombre d'interrogations ont pu être inscrites de façon la plus claire, en tout cas, je l'espère, qu'il soit, parce que les questions que vous posez, évidemment, nous les sommes posées au cours des auditions. Donc, pour le reste, nous verrons dans la loi organique, mais à ce stade, s'il y avait des inquiétudes particulières, je vous en ferai part, au-delà de ce qui a déjà été écrit, et vous auriez des amendements qui iraient en conséquence. Monsieur Quatennin, à titre perso, moi je m'intéresse à ce que vous proposez en termes de modèle. J'ai, comme un certain nombre ici, lu l'appel à la constituante, lu un appel à réformer la constitution. Vous avez le droit, enfin vous êtes député de l'opposition, vous avez le droit de le proposer. Mais vous avez aussi le droit d'accepter qu'on ait une autre lecture que la vôtre, une réforme constitutionnelle. Et si vous n'estimez pas nécessaire de transformer, de modifier cette constitution, mais d'en changer, souffrez que nous préférions conserver cette constitution et la modifier. Et je suis encore allé, pour tout vous dire, sur le blog de Jean-Luc Mélenchon, qui fait encore appel au modèle d'Amérique latine, encore une fois, c'est comme si rien ne se passait dans le monde, pour décrire quels étaient les changements profonds de la démocratie. Je suis désolé, mais... Sans même parler du Venezuela ou de la Bolivie, ou de regardons un petit peu les modèles qui nous sont proposés. Personnellement, ça ne me fait pas envie, mais je reconnais le droit aux Français qui s'y intéresseraient d'être intéressés par ce modèle. Mais encore une fois, que chacun aille justement bien lire et bien s'intéresser en profondeur aux propositions qui sont celles de votre mouvement et qu'on puisse partager les désaccords. J'aurais répondu à M. Grelier s'il n'était, mais je crois qu'il est parti à la suite de la question, qui s'interrogeait sur la défense de la liberté d'expression. C'est un sujet, je comprends que ce soit un sujet d'inquiétude pour un député Les Républicains, non, sans boutade à part, il n'y a aucun problème. Nous aurons toujours la possibilité de conserver de tous les débats en commission. Les députés seront toujours habilités à déposer, à défendre tous les amendements qu'ils souhaitent en commission, à les défendre, à les mettre au vote. On ne rogne absolument pas. On est vraiment dans une logique d'essayer de conserver pour certains textes la possibilité de débattre sur le fond, les choses entre nous en commission, et de réserver à l'hémicycle un certain nombre de sujets qui n'auraient pas été totalement arbitraires à la suite de nos travaux. Merci. Eh bien, merci. Alors, il faut que je passe à ça. Pardon ? Oui, donc nous allons passer maintenant à l'examen des articles 4 et 7, comme convenu. Nous avons sur l'article 4 l'amendement du rapporteur, l'amendement 3, monsieur le rapporteur. Oui, pour le coup, on ne pourra pas dire que la majorité n'a pas accepté d'amendement de l'opposition, parce qu'il n'y a pas eu d'amendement de l'opposition sur ce texte. Il y a deux amendements que je vous proposerai. Un qui concerne l'article 4, qui propose d'introduire un délai incompressible de 4 semaines entre le moment où un texte du budget de la sécurité sociale, mais aussi du projet de loi de finances, est déposé en Conseil des ministres et le moment où il est examiné en séance. Dans les textes de loi organique, il est prévu par la Constitution un délai de 6 semaines entre le moment où le texte est déposé en Conseil des ministres et le moment où il est examiné en séance. Pour les textes budget de l'État et budget de la Sécu, il n'est prévu aucun délai. Il est juste prévu la deadline de dépôt en Conseil des ministres du 15 octobre. Ce qui fait que, de fait, il est toujours déposé le 15 octobre, enfin le mercredi qui correspond, et qu'on a très très peu de temps pour l'examiner. Je vais être à nouveau très sincère avec vous. Je sais que Laurent Saint-Martin, qui est rapporteur pour avis à la Commission des finances, dépose cet amendement. On en a discuté entre commissaires aux finances et aux affaires sociales, considérant qu'il était important de dire au gouvernement, à l'exécutif, que nous avons besoin de plus de temps. Est-ce qu'il est possible d'avoir un délai de 4 semaines effectif entre le dépôt du texte et l'examen en séance? Ça voudrait dire que l'examen du PLFSS serait déposé en Conseil des ministres au milieu du mois de septembre, ce qui veut dire que toutes les négociations avec les partenaires sociaux seraient décalées en amont, etc. Mais il n'empêche, il faut quand même, à un moment donné, qu'on puisse avoir cet échange avec le gouvernement. Je crois que c'est plutôt l'objet de cet amendement en séance, sur la façon dont nous pouvons davantage travailler ensemble pour que vous ayez, pour que j'aie, pour que nous ayons tous le temps de faire notre travail parlementaire correct, d'analyse, d'examen et d'amendement. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça ne suffit pas pour un texte de cette ampleur et de cette importance. On va organiser des travaux au cours de l'été. Il y aura le rapport d'application de la loi de financement de la sécurité sociale, dont l'examen est aussi un temps qui permet parfois d'anticiper un peu les choses. Mais je crois qu'il faut un peu de formalisme et qu'on garantisse aux parlementaires, pour le coup, la possibilité de faire correctement leur travail parlementaire. C'est pour ça que je vous propose d'adopter, ne serait-ce que pour la forme, cet amendement sur un délai incompressible. Et qui sait, peut-être qu'il ira au bout. On ne sait jamais. Voilà. Merci. Monsieur Dorc. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, nous ne sommes pas toujours dans l'opposition et ça arrive qu'on puisse avoir des points communs avec ce type d'amendement. Pour avoir participé à plus de 15 PLFSS successifs, on a eu au moins 15 fois les mêmes remarques
d'avoir le texte 48 heures ou 3 jours avant, si ce n'était même pas le matin même ou si ce n'était pas le soir d'après la commission. C'est combien de fois arrivé pour les plus anciens. Donc cet amendement va parfaitement dans un sens que nous pouvons que soutenir et enfin avoir réellement du temps de travail entre le délai du Conseil des ministres et évidemment le délai qui arrivera en commission. Donc on soutiendra cet amendement. Voilà. Monsieur le rapporteur. Monsieur Isaac Sibille. Le groupe MoDem apporte son plein et entier soutien au rapporteur par rapport à cet amendement. Laurent Pietraszewski. Merci Madame la Présidente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous soutenons pleinement les amendements de notre rapporteur. Monsieur Vercamer. Cet amendement, on est plutôt d'accord sur le fait d'avoir un peu plus de temps pour étudier le PLFSS. Effectivement, moi, je me souviens d'avoir eu le dossier de presse à la place du texte quand Madame le ministre est venue présenter son texte. Je suis même intervenu en disant « Mais attendez, on n'est pas des journalistes. » Bien. Alors, je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de tout le monde, semble-t-il, à peu près. Je mets donc aux voix cet amendement qui est pour... Qui est contre ? Il est donc adopté. Je vais mettre aux voix l'article 4 ainsi modifié. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. L'amendement suivant sur l'article 7, monsieur le rapporteur. La loi de financement comporte plusieurs parties. Elle ne se contente pas seulement de prévoir le budget de l'année à venir. Elle vise aussi à approuver l'exécution de la loi de financement de l'année écoulée. L'article 6 prévoit que les commissions des finances de chaque assemblée auditionne le gouvernement sur l'exécution des lois de finances. Par parallélisme des formes, il est proposé de faire de même pour l'exécution de la loi de financement. Il reviendra à la loi organique d'en définir les conditions. Traduit. Bon. Jean-Pierre Dorme. Un peu plus d'explications. Dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, dans le cadre du rôle de contrôle et d'évaluation conféré aux parlementaires et que nous essayons de renforcer sur la volonté du président de la République de nous donner plus de poids dans le contrôle et l'évaluation, il est proposé que chaque année, nous ayons une audition des ministres concernés par le budget de la Sécurité sociale qui nous rendent des comptes sur l'exécution de ce que nous avons voté. Ça renforce et conforte l'exercice de la RALFS, ce superbe sigle, qui signifie rapport d'application de la loi de financement de la Sécurité sociale de l'année précédente. On pourrait donc interroger directement les ministres en commission sur les raisons pour lesquelles tel décret n'est pas sorti, tel décret est sorti, où est-ce qu'on en est, etc. Les finances publiques, le respect de l'ONDAM, les comités d'alerte, enfin tout ce qui nous anime notre année budgétaire. Monsieur le rapporteur, est-ce que ce n'est pas... superfétatoire avec la mission d'évaluation de la loi de finances de sécurité sociale. Chaque année, on a une mission d'évaluation, ici même. Avec les deux co-rapporteurs, d'ailleurs, ont été désignés ce matin. Donc on doit pouvoir recevoir la ministre à ce moment-là, non ? Là ou le ? L'amendement propose de formaliser ce temps d'échange et de discussion pour qu'il y ait un retour sur l'application de la loi financière de l'année précédente par les ministres pour que ce soit quelque chose qui soit devenu incontournable. Donc ça n'empiète pas ni sur les travaux de la MEX, ni sur les travaux de la RALFS. Ça renforce, ça rajoute un temps annualisé de discussion et d'échange entre les députés et les ministres au banc chargés de l'exécution du budget de la Sécu pour qu'ils puissent rendre compte directement devant le Parlement. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, ce qui n'est pas formalisé. Et ce qui existe pour la Commission des finances. Audrey Dufeu-Schubert. Merci Madame la Présidente. En écoutant vos échanges, j'ai une petite question pour le rapporteur. J'ai souvenir l'année dernière, au mois d'août, lorsque nous avions pratiqué cet exercice d'évaluation, de mémoire, seulement 40% des mesures du PLFSS de l'année précédente avaient été mises en œuvre. Ça m'avait vraiment interpellée. Et la question est, finalement, là, le mois d'août arrivant, nous allons réévaluer le dernier PLFSS, mais pas du tout, il me semble, celui d'avant, et pour autant, 60% des mesures restaient à mettre en œuvre. Donc ma question est, est-ce qu'éventuellement, on pourrait imaginer une réévaluation à N-1 et N-2 pour vraiment s'assurer de la mise en œuvre ?
Annie Vidal. Un peu dans le même esprit que ce que Audrey vient d'évoquer. Moi, ma question serait de réfléchir collectivement à une meilleure adéquation entre les travaux de la MEX et l'évaluation de la loi de finances de sécurité sociale. On a, de fait, par le calendrier, un décalage important et finalement, on fait le programme des travaux avant d'avoir travaillé sur le PLFSS. Et il me semble que ce serait une mise en adéquation qui pourrait être intéressante et apporter un complément d'évaluation, peut-être en ciblant des axes du PLFSS qui mériteraient une étude plus approfondie et on pourrait valoriser aussi des travaux de manière collective. Merci. Monsieur le rapporteur, une remarque ? Madame Dufay-Schubert, tout à fait d'accord. D'ailleurs, l'objet de la proposition, c'est de se dire... La RALF, c'est on fait le point sur l'exécution du budget de l'année en cours. On se voit 6 mois ou 8 mois après le vote et la promulgation de la loi et on se dit qu'est-ce qui a été adopté. 40%, ça ne vous semble pas beaucoup par rapport à des textes précédents ou des années précédentes. 40%, c'était plutôt la fourchette haute parce qu'en 8 mois, beaucoup de décrets n'ont pas le temps de sortir. Mais vous avez parfaitement raison et l'idée est justement de pouvoir aller non seulement sur l'année en cours, mais aussi l'année précédente et même à la fin d'un quinquennat faire le bilan de ce qui aura été appliqué ou non appliqué dans le cadre du quinquennat. C'est ça, c'est une forme de printemps de l'évaluation de la sécurité sociale à travers des auditions des ministres. C'est très intéressant qu'ils puissent venir justement pour pouvoir répondre de façon précise parce qu'aujourd'hui, la RALF, c'est les deux rapporteurs, les deux co-rapporteurs au banc qui sollicitent les ministères, qui leur donnent ou non les informations directes et claires et qu'on vous rapporte au cours d'un exercice qui est technique mais qu'on essaie de rendre plus politique année après année. Et sur l'interaction des travaux avec la MEX, parfaitement d'accord. Et même d'ailleurs s'appuyer peut-être pour certaines missions de la MEX sur le constat que certaines dispositions de la LFSS n'ont pas été mises en place ou qu'il y a des choses, quand on se donne rendez-vous, par exemple, le dernier PLFSS, on s'est donné rendez-vous pour dire ce serait bien quand même que le prochain PLFSS, on ait changé le modèle de financement du médicament, SMR à SMR, etc. Ces travaux-là, ils sont absolument phénoménaux à conduire et que les parlementaires puissent accompagner, anticiper la transformation à travers les missions de la MEX, ça semble... Donc il faut effectivement renforcer ces liens et dont acte et j'en prends toute ma responsabilité aussi. C'est vrai qu'on est tellement dans nos agendas respectifs que parfois on ne les croise pas suffisamment, donc on va renforcer les liens. D'ailleurs, sous réserve bien sûr de ces disponibilités, la commission auditionnera la ministre de la Santé sur le rapport d'application financement de la sécurité sociale. Donc voilà, je vous en informe. En tout cas, je vais essayer de le faire. Voilà, je vais donc mettre aux voix cet amendement du rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 7 ainsi modifié. Qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'ensemble des dispositions faisant l'objet de la saisine pour avis ainsi modifié. Qui est pour, qui est contre. La commission émet donc un avis favorable à l'adoption de l'ensemble des dispositions dont elle est saisie. Je vous remercie. J'ai encore un petit point à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Nous devons procéder à l'audition en application de l'article 145.7, alinéa 1 du règlement, d'un co-rapporteur sur l'application de la loi numéro 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et tout ça sans respirer. J'ai reçu la candidature de M. Gilles Lurton. Il n'y a pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. Et je vous informe aussi que l'examen de la proposition de loi numéro 1081 visant à renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l'autonomie, dont votre serviteur est le rapporteur, propose, est décalé du 4 au 11 juillet. Nous procédons donc à la désignation du rapporteur la semaine prochaine. Merci et à cet après-midi, 16h15. Merci.